Comme vous l'avez deviné là, je ne suis pas à Tokyo. En fait, en faisant le montage de ce vlog, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'intro. C'était difficile de me filmer avec les filles H24 avec moi dans notre Airbnb. Donc des fois, voilà, il y a des choses qui manquent. Je suis désolée par avance parce que aussi des fois le récit s'est décousu. Enfin, j'étais en vacances, donc j'ai fait du mieux que je pouvais pour filmer, mais c'est pas aussi cohérent que les vlogs du reste de l'année, on va dire. En tout cas, je voulais faire une petite intro à ce vlog. J'ai regroupé trois journées en fait dans ce vlog. Une journée passée à Ginza, une journée passée à Ikebukuro et une journée à Tokyo Disneyland. Donc j'espère que ça vous plaira. Ces vlogs, pour rappel, ce vlog a été tourné en juin, voilà, en fin mai, début juin, quand nous étions au Japon. J'ai mis longtemps à les monter parce que si vous suivez un petit peu, nous avons lancé notre e-shop de papeterie et objets japonais et on a travaillé à fond là-dessus en fait ces 6 derniers mois, et donc je n'ai pas pu sortir ces vlogs avant. Mais là du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais alterner un vlog tourné au Japon et un vlog tourné à Amsterdam avec notamment des studios vlogs avec les coulisses de la boutique et tout. Et voilà, je vais alterner comme ça et voilà, ils sortiront tous. Les filles ont un peu grandi depuis, surtout Lilamé qui a changé, mais j'espère que ça vous plaira quand même, que ça vous fera voyager. Et puis je vous fais aussi une petite conclusion à la fin que j'avais pas tourné non plus sur ce que nous avons pensé de Tokyo Disneyland. Bon visionnage! T'as vu, c'est maman hippopotame et les bébés? Oui! C'est super ma chérie, tu peux tout tester les crayons et faire des beaux dessins. T'as vraiment un choix de dingue de crayons de couleur, c'est même trop. Il y en a partout. Wow, c'est classé par couleur. T'as vu, c'est rangé tous les bleus ensemble, tous les violets. Faut essayer de garder rangé, d'accord, un plus. Ouais, t'as pris un vert. Alors, est-ce qu'il est beau ce vert? On va le garder, le dessin. Trop beau. Du Japon, ma chérie. Elles sont meilleures que celles qu'on trouve à Amsterdam, celles-ci. Hein. Trop bon cet tempura. Même Lily Rose, elle aime. Mmh. C'est bon, hein. On a des champignons. Allez, moi j'ai pris une version chaude.
Toi aussi tu veux une chaude? Bon, on peut partager un peu, oui. Oui. Moi je prends un peu de celle-là et toi tu prends un peu de celle-là aussi. On fait tout... on partage toutes les deux. Papa est fatigué. Nouvelle journée sous la pluie. まあね、今とでもね、なんかこう、正直、ああ。
c'est qui ça? T'as piqué un Pikachu? C'est qui un Pikachu? T'as piqué... Oh, oh! Tu veux le rendre? Tu l'as dans la maman? Non? Ah non, tu veux pas? Attends. T'es une coquine, mais tiens. ライオンたちにマッサージをしてもらっています。いやー、ジャングル濃厚なんですよ。そんなの信じられない。いやいや、よく聞いてください。危険な音楽さえ聞こえてくる気がしませんか？あれが有名なスプラッシュマウンテンです。ここクリッターカントリーには森の上に行くことができるんです。雄大なアメリカ側をマウタのイカダで。チリファイファイ、ウェーイ。L'attraction qu'on va faire tout à l'heure, ma chérie. Woohoo!
hyper gluant. C'est du chocolat à l'intérieur. Je savais pas. Tu veux goûter, Elios? Vous allez manger? Ok. C'est du chocolat à l'intérieur. Attends, c'est une fraise. Mais c'est pas juste. T'en as à la fraise, toi, regarde. Moi, c'est des chocolats. Voilà. Attends. Qu'est-ce que c'est? Popcorn. Caramel. Caramel. Ça va bien, ma miss. Enfin, oui, ça fait du bien de se dégourdir les jambes un peu. Alors j'espère que le vlog vous a plu concernant Tokyo Disneyland. Déjà pour info, moi je ne suis pas forcément une grande fan de Disney, j'étais pas allée à Disneyland depuis mes 12 ans je crois, donc je ne peux pas vraiment comparer avec celui de Paris par exemple, mais ça me tenait à cœur d'y emmener les filles, je me disais que c'était une bonne opportunité. Au début on avait pensé aller à Tokyo Disney Sea, parce qu'en fait il y a deux Disney à Tokyo. Il y a le Disneyland, donc, qui est un peu l'équivalent de celui qu'il y a à Paris, hein. Et il y a le Disney Sea où c'est vraiment axé sur plus la mer et c'est un petit peu à part. Après avoir lu plein d'avis, en fait ce qu'il en sortait c'est qu'on n'avait jamais fait Disneyland avant. Valait mieux d'abord faire celui-ci et puis peut-être qu'une autre fois on fera Disney Sea, voilà. Il faut absolument réserver les places en amont, on a réservé en ligne sans souci. Après il vous conseille de télécharger une application en fait, donc l'application Disney de Tokyo, et après tout est disponible dessus,
le plan de Disney et tout. Mais j'ai trouvé que l'application n'était pas du tout bien faite, c'était très lent. En fait, sur le plan, on ne pouvait pas chercher, il n'y avait pas, vous savez, d'outils recherche où on pouvait chercher, taper par exemple le nom d'une attraction ou pour savoir comment y aller, etc. C'était assez brouillon, personnellement. Peut-être qu'on s'était pas assez préparé aussi, on y allait juste comme ça. Et en fait, du coup, on perdait beaucoup de temps à juste chercher où on voulait aller. Donc ça, c'était un petit peu dommage. Il y avait du monde dès l'ouverture, alors qu'on était vraiment à l'ouverture. Mais a priori, moins de monde que d'habitude. Donc pour moi, c'est déjà beaucoup de monde, mais je suis pas trop fan des endroits où il y a énormément de monde. Concernant la queue, parce qu'en fait avec les enfants je trouve ça dur de faire la queue longtemps pour des attractions. Je pensais qu'on pouvait acheter, vous savez, ces fast pass pour les attractions. On avait prévu de le prendre pour pouvoir en faire rapidement avec les filles. Mais en fait le souci c'est que pour les attractions finalement qui étaient adaptées à leur âge, donc du type Dumbo, etc., ça ne marchait pas, ce fast pass. Donc en fait, je trouve ça dommage parce que c'est justement quand on a des petits enfants comme ça qu'on aimerait que ne pas avoir à faire la queue et à juste rester des heures debout. Au final, ça nous a empêché quand même de faire pas mal de choses. Pour Dumbo, on n'a pas attendu si longtemps en soi, on a attendu 35 minutes, mais à la fin, ça commençait à faire long. Lily Rose commençait un petit peu à en avoir marre. Et du coup, elle voulait qu'on le refasse juste après, mais nous, enfin, on n'avait pas la foi et elle n'avait pas non plus le courage de réattendre encore. En plus, c'était passé à 50 minutes d'attente après notre tour. Donc ça, c'est dommage. Voilà, on aurait aimé faire des fois plusieurs choses. Et c'était pas possible, il y avait un peu trop d'attente. Voilà, et par contre on a eu de la chance pour Small World parce qu'en fait il n'y avait que 5 minutes d'attente au moment où on y allait, et donc on a pu faire deux tours d'affilée, donc ça c'était chouette. Mais sinon juste, je trouve qu'avec des enfants de cet âge, donc Lily Rose avait 3 ans et demi et Lila May à 1 an, je trouve que juste se balader, s'imprégner l'univers, ça c'était chouette. On a regretté aussi, on n'a pas trop vu de personnages, on a vu juste, vous avez vu deux fois en fait des personnages, sinon on a vu personne. On a impossible de voir Mickey ou Minnie, sauf qu'il fallait faire la queue pareil, 1h30 pour voir Mickey là, dans sa maison et tout. Mais 1h30, enfin je sais pas, avec des enfants, enfin moi je sais pas comment font les enfants des autres, mais moi je me voyais pas attendre 1h30 à rien faire, en plus la journée passe vite. Voilà, Lily Rose était déçue de pas avoir la Reine des Neiges, ça a été le gros drame, et en fait il se trouve que une attraction, la Reine des Neiges, a ouverte quelques semaines après qu'on y soit allé. Donc c'est bon à savoir, elle aurait adoré, mais bon voilà, on n'était pas bon dans le timing, donc voilà, une petite déception de ce côté là, mais sinon on a passé une bonne journée. Le down, je dirais, le point négatif, c'était vraiment la nourriture. Alors au Japon on mange bien partout, mais genre partout, même dans les endroits qui ont l'air pas terribles, c'est bon, mais alors à Disney au secours, c'était vraiment pas bon, et très cher, donc voilà, à éviter si possible. Voilà, c'est tout. Sinon évidemment les filles étaient contentes et on était crevés, mais on a passé une bonne journée, et c'est facile d'accès pour y aller depuis le centre de Tokyo, en train et tout, c'est assez simple. Voilà, je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit commentaire. C'est très important pour me soutenir, pour apporter de la visibilité à ma chaîne. Et un like, et bien sûr, bisous.